these words. With great power comes great responsibility. Hey, salut à tous, c'est Cassé, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur Kena pour un combat de boss, voilà, qui n'est pas très compliqué, mais je voulais vous le montrer parce qu'il n'a pas la même spécificité que les autres. En fait, tout simplement, il aura une façon de se battre un petit peu différente, et donc je vous parle du Mangerot ici. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de mobs qui sont là, bon, vous pouvez les zigouiller, ils sont pas compliqués à battre. Le boss fera son apparition un tout petit chouïa plus tard. Le principe ici, c'est de détruire avec cette bulle et le monstre que ça nous crée les différentes fleurs, là, les différentes corruptions qu'il y a dans l'arène. Et donc, vous vous en doutez, voilà, c'est là la petite subtilité, c'est que le boss va falloir le battre de la même façon, en fait, tout simplement. Vos flèches, vos coups de bâton ne serviront à rien. Vraiment, il faut le battre avec, du coup, l'aide de vos routes qui sont ici, qui sortent. Tout simplement de la bulle du milieu, et à chaque fois que vous ferez du coup des dégâts au boss, plusieurs mobs apparaîtront. C'est ici que vous utiliserez du coup vos bâtons et vos arcs, mais globalement pour le boss, voilà, vous devez vous battre contre lui, et vous voyez que vous pouvez lui faire suffisamment de dégâts pour que le combat passe super rapidement. Donc voilà, c'est un combat qui n'est pas compliqué mais qui est un petit peu particulier, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Globalement, hein, il n'est pas très très résistant, le boss j'ai même pu le faire en difficulté maître. Et avec la technique de la bulle qui se forme avec nos routes, il n'y a pas de problème, franchement le boss se bat super bien. Donc vous pourrez essayer hein, vous d'y aller avec vos flèches ou quoi que ce soit, mais vous verrez que vous ne faites pas du tout de dégâts. Donc vraiment c'est celle-là la technique et c'est celle qui marche le mieux. Donc franchement allez-y et vous verrez que le combat se passe super bien, ça va passer super vite. Et puis du coup ça vous permettra d'utiliser un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir dans le jeu, c'est-à-dire le bâton et l'arc. Donc voilà, on approche déjà de la fin de cette vidéo. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir puisque je vous ferai encore plein de vidéos sur Kena. Et je vous présenterai encore plein d'autres boss, dont les derniers qui commencent à arriver assez rapidement et qui sont très intéressants. Moi pour le moment je vais vous laisser là, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir. En tout cas c'était Reigns, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.